Que j'aime ça faire dur dans mes vidéos, hein? Genre, toute la journée, je suis quand même cute. Mais toi, tu me vois quand je sors de la douche, puis que c'est ça. bon, je m'en allais couper cette Bertha parce que clairement, ben c'est ça. Ça va vraiment, vraiment, vraiment pas bien nulle part, là. C'est jaune. Et ça ne devrait pas être jaune. Mon Dieu, on va lever ce trépied. Hey, en passant, je me suis acheté un trépied de fou. On donne vraiment 5 pièces. C'est cool. Fait que là, je vais la couper. Elle vient d'être arrosée. Fait que c'est pas ça le problème. Le problème est trop humide depuis trop longtemps, peut-être aussi. Je sais pas, mais c'est la grosse trim de la mort. Fait que je vais te positionner ici, hein, pour cette merveilleuse coupe de cheveux. C'est la plante qui traîne dans mon bain, en fait. Puis là, ben, mon chum est tanné. Moi, je suis tannée parce qu'elle me fait feuille jaune par-dessus feuille jaune. Fait que. Eh boy! Go! Ça fait mal, hein? Ça fait mal. Mais ça va être des boutures pour mon futur vin végétal qui ne marchera pas. Yes! Je coupe n'importe où. Voilà. Voilà la coupe de cheveux. Là, on a, ben, tout ça pour faire des boutures. Yay! Youpi! Fait que bien sûr que je vais faire un petit ménage avant de la remettre où est-ce qu'elle était. Je vais enlever tout ce qui est potentiellement jaune. Puis elle va être due pour un rempotage bientôt. Parce que là, ça, je pense que ça fait plus qu'un ménage, j'ai pas rempoté. La peau s'écoule pas bien, c'est toujours le même problème. Et puis, ben c'est ça. Fait que là, on est tanné. C'est comme ça toutes les semaines. Toutes les semaines. Mais pourtant, ça va quand même bien. Mais là, tu sais, regarde, là. Ça, là. Ciao. Tout ce qui va pas avoir de sens, je vais l'enlever parce que là, ça va faire trop dur. Sinon, là, chaque place qui va manquer trop de feuilles, je vais l'enlever. Voyons voir. Celle-là, c'est très beau. Elle est très, 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 très emmêlée, là. Peut-être qu'il va falloir que je recoupe à d'autres places. Il y a des feuilles qui tombent à terre en même temps. C'est super! On a beaucoup de plaisir. Tu vois pas, hein? Tiens, je vais comme ça. C'est comme une tige. Je sais pas. Je la coupe. Tiens. Ouais, il va vraiment falloir aller checker parce que. Tiens, regarde. Une longue tige avec peu de feuilles. Tac. Je vais tout défaire une après l'autre. Elle est jaune aussi. On va là. Tac. Comme ça. Et c'est. Qu'est-ce qui se passe-t-il, là? Ça, c'est bien beau, hein? Ouais, c'est ça. C'est la méga grosse trim. C'est pas super beau, ça. On coupe. Ah! C'est énorme. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Je sais pas si vous faites ça des fois, de faire la méga trim. Là, tu sais, normalement, on va le faire genre plus à l'automne, mais là, moi, ça me tentait pas. C'est maintenant ou jamais. Fait que, ben, dû que ça me mette en forme un peu. Puis, peut-être, c'est bien aussi, c'est trop d'énergie. Puis, il y a pas beaucoup de lumière en salle de bain, là. Fait que, ça peut être comprenable. Regardez la longue triche, quasiment pas de feuilles. Tiens, voilà. On continue, ça c'est beau. On relève. Ça dit quoi? C'est, écoutez, c'est un tas de feuilles jaunes. C'est juste un tas de feuilles jaunes. C'est décollissant. Ça, ça passe là. Ça stimule bien. On en a plein d'autres ici là. Je sais pas pourquoi les tiges sont genre jaunes au lieu d'être vertes. Fait que ça va mourir. Ça va mourir. Là, on a encore un autre tige avec très, très. On a peut-être une réponse à notre question. Ça vient de lâcher. Ah ouais, ok, ça a pourri. C'est bon. Ça a pourri. Regardez. Boum, boum, boum. Voilà le problème. Plus de potasse. Bon, ben écoute, ça va prendre moins de place. Ma petite. Et je vais faire une sélection des branches. Comme ça. Ah, je m'attendais comme quand même pas à ça. Ça fait de la merde partout. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est moi, puis c'est pas. On va couper ici, là. Ça, on peut regarder.
Moi, tu contrôles ce qu'on regarde. Ça, je pense que c'était encore quand même somme toute. Non, c'était plus beau. Tac. Puis moi, je venais couper les racines parce que les racines sont pourries. Je venais couper là. Hey, je m'attendais pas à ce genre de job-là à ce moment, sincèrement. Là. Puis tu sais, on le voit bien, là, toutes les feuilles sont. Genre, on le voit pas tant. Genre, les tiges sont jaunes, mais la feuille est encore bien, tu sais. Elle était vieille, elle était. C'est ça, je m'en équipais plus bien. Voyez, là, fait que... Regarde, ça, c'est laid, là. That's wrong. Il y a trop, c'est trop emmêlé. C'est juste trop emmêlé. C'est trop emmêlé. Ça, c'est pas super beau. Mais il y a moyen de faire des petites boutures. Fait qu'on va couper les racines. Puis on va regarder ce qu'on fait ça. Next! Là, ça va être moins gros, je pense que je suis quand même contente, là, sincèrement. Là, mais... C'était comme ça prenait trop de place. Elle était rendue trop grosse, puis ça brimait vraiment comme la luminosité dans la salle de bain, je pense. Et celle-là, je coupe là. Ouais. C'est sûr que ça commençait tranquillement à être jaune, là. En tout cas, bien, on va essayer. Ça. Bon, celle-là. C'est une très très belle tige, celle-là. Je vais venir couper comme ça, puis. Je vais garder les deux tiges séparées l'une de l'autre. Tac. Puis il y en avait une jaune encore. Bon, ça devrait être bon. On va se refaire un pot-off. En plus, ça va être idéal pour le meuble végétal. Puis ça va être idéal pour moi. Bon, là, on arrive dans les derniers retranchements. Là. Je dis, bon, ouais. Ça, c'est encore beau. Pas tant, c'est en fin de journée. Mais par exemple, si les feuilles sont belles. Trois. Ça. Next. Il y a de la terre partout. On coupe les racines pourries. Puis on regarde. Ça, c'est encore super beau, ça. Ouais, ça, c'est super beau encore. Ça, c'est good. Next, ça, c'est beau. Ouais, ça, c'est super beau. C'est moyen de faire des racines avec ça. On va s'essayer. Je sais pas au-dessus. Ah, ça semble plus beau, ça. Plus belle. Voilà, 10 minutes plus tard. Ça. Ça, c'est plus beau. C'est plus beau. Eh, ben moi, je suis bien contente de tout ça. Hein? Surprenant d'être contente d'avoir une plante qui commence à mal aller, mais le chum, il arrêtait pas de chialer. Et puis, le chum, il chialera plus. Il va avoir des bouts partout. Mais pas dans la salle de bain, puis pas dans le bain. Fait que tout ça, c'était plus bon. Je sais que ça a l'air vert encore, mais comme cette tige. Il y a des variations qui m'énervent. Ciseaux scalpel. Ouais. On va s'essayer. Ils ont toutes une teinte jaune. Le plus qu'il y a encore, là. Il faut vraiment que je gère ça ici. Puis, c'est ça qui est. Ça va être une méchante job. J'ai un pot, un verre, un vase. Comme ça, que je vais utiliser pour faire une couture parce qu'il y en a juste trop. Il y en a juste trop, puis je ne peux pas les faire en petit. Parce que sinon, ça va prendre trop de place. Ah, excusez. Bon, comme ça. Ça. Fait que là, on va les éplucher. Hein? On n'a pas vraiment le choix. Fait que, on va tout enlever les feuilles du bas. C'est triste, hein? Comme ça. Ouais, mon chien va japper parce qu'il entend des sons. Là, attends, elle s'en va de même. Fait que, feuille jaune. Bon, je suis pas rendue bien loin, hein. Vous comprendrez que c'est quand même. Je pensais pas que je m'embarquais là-dedans ce soir, là. En tout cas, on va souhaiter que ça fonctionne bien pareil, juste avec les tiges. Je vais peut-être me faire un pot avec juste des boutures aussi, là, des petites boutures pour mettre dans des petits pots 4 pouces, c'est trop long. Et celle-là. Mais ouais, fait que c'est ça. Donc, j'espère qu'il va devenir ce beau qu'il était là, parce qu'il était vraiment fourni à base, puis là, ben, il était plus. C'était juste comme laid. Là, c'est pas comment je vais faire pour fournir à la base, à force de faire des boutures, j'imagine, mais... Tantôt, j'étais contente, là, j'étais un peu plus... J'allais même beaucoup cette plante-là, moi. Je me rappelle même plus son nom encore, je sais pas, je m'en parlais, je m'en rappelle plus. C'est sûr que cette feuille, elle va mourir. Mais, tu sais, il y a quand même plein de chances qu'il m'a fait des racines, là. Fait que, je suis pas stressée pour lui, là, mais c'est juste que j'ai l'habitude d'avoir ma grosse plante dans sa salle de bain, puis là. Plus de plantes dans celle de bain. Ça va être ça. J'ai mis-tu dans ce sens-là. Ouais. Je vais faire des racines dans un bout. On sait qu'il y a comme perdu ses variations par bout. Don't try it, girl. Je pourrais faire plein de cutting en plus, mais je le ferai pas. Parce que ça me tombe pas. Je vais juste pas me casser la tête. Là, tu vas me dire, tu vas mettre où ce pot-là, Val? Encore dans la salle de bain. Là, tu vas me mettre capoté. Comme t'en enlèves une, puis t'en remets un plus gros pot encore. Bon, ok, là on a une partie de fête. Là, ça ressemble à ça. J'ai une petite poussière dans le coin là. Ok, voilà. Ça, c'est très laid. Ça, tout est laid. C'est le bordel. Il est 8h11. Écoutez. Bien! Morale de cette histoire. Faut vraiment que j'arrête d'acheter des plantes parce que j'ai clairement pas le temps d'en occuper. Puis je fais de la chenoute.
Tant, ça a bien été tout l'hiver, mais là, je sais pas ce qui se passe avec moi. Là, ah, c'est peut-être probablement le fait que c'était trop humide dehors. Là. Tout remettre sur le dos que c'était trop humide dehors, puis que ça séchait pas. Mais je vais quand même te montrer, je trouve ça plus beau. Tu me diras ce que t'en penses. Regarde, ça fait vraiment mignon. Bon, cette espèce de couette-là, là, c'est pas super, là, mais c'est ça. Là, elle va être là. En attendant de se refaire une santé. Puis j'ai un tout petit pot de verre d'eau qui est juste ici. Ça m'a fait un petit verre, là. Juste là. Fait que voilà. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que c'est passé la même maudite affaire avec mon potos Pearl and Jade. Je l'ai racheté. Fait que je vais te montrer mon potos. Je vais aller chercher ça. Parce que là, l'autre, il y avait aussi... Ben, il y avait la bête à terre. On se le dira, il y avait la bête à terre depuis un petit bout. Puis là, j'étais comme... Oh, je m'en occupe. Puis là, il perdait les feuilles. Mais en fait, il ramollissait complètement les tiges. Un peu partout dans la plante. Fait que là, j'étais comme... Déjà qu'il n'allait pas super bien, c'était pas de suite depuis que je l'avais acheté. Hop, on va juste se mettre de niveau un tantinet. Pouvez-vous nous mettre de niveau, s'il vous plaît? C'est compliqué, hein, ce trépied-là? Comme ça. Je pense que je suis de niveau de même. Ouais, ça me semble, ça fait de sens. En tout cas. Fait que c'est ça. Fait que là, j'avais toujours eu de la misère avec depuis que je l'avais acheté. Il ne poussait pas. Nanana. Là, c'était mieux à faire une tige. J'étais comme genre, wouhou, on fait une tige en 3 ans. Peut-être bien plus que ça. Je pense que c'était comme, ouais. C'est 3 ans, je l'avais. Puis c'est ça, ça avançait pas. Puis là, ben, c'est ça. Il s'est mis à dépérir, ramolle ça des tiges. Je savais pas ce qu'à se faire avec. Je l'arrosais, il voulait pas de l'eau. Je l'arrosais pas, il voulait de l'eau. Là, je savais plus. Fait que là, je l'ai pogné, j'ai gardé une tige, je pense, dans toute la pot parce qu'il restait plus rien là, du potasse. Puis là, ben, c'est ça. Je me suis racheté 2 potées 4 pouces. Puis je les ai mis ensemble dans le même pot avec la tige que j'ai réussi à récupérer. Fait que voilà enfin un potos Pearl and Jade qui fait du sens avec des lianes qui vont pousser. Ça, c'est très bien. Ça, c'est très bien. Fait que j'ai comme une, deux, trois, quatre, cinq, six et sept. C'est 7 lianes, ça. 1, 2, 3, 6, 7, 8! J'en ai 8! Fait que je m'attends à avoir un potos qui fait du sens. Il est dans un beau terreau. Il y a une feuille qui était brune sur le plan ou deux. Et juste ici, là, on peut le voir. Mais ça ne m'a pas empêché d'acheter le plan parce qu'il était vraiment fourni et tout. Fait que voilà. Fait que là, ben maintenant, j'ai une plante qui devrait, somme toute, être en bonne santé. Tu sais, des fois, on pogne des citrons. Moi, ça m'est déjà arrivé, puis ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment. Tu pognes une plante, au début, elle va super bien, puis après ça, je sais pas pourquoi, peu importe ce que tu fais, genre, cette plante, elle t'aime juste peu, puis elle aime juste pas ton environnement. Fait que, I hope que celui-là, ça va bien aller. Tu sais, quand même, il était à une belle place, avec des grow lights, bel emplacement, là, tu sais. Le terreau séchait bien, mais il est encore, je pense, dans son terreau d'origine. Fait que je pense que j'avais jamais changé de terreau. Tandis que là, il y a du terreau de nursery dedans, qui sèche quand même assez vite. Plus, je l'ai enlevé un petit peu, puis je l'ai mélangé avec le terreau, je pense, c'est Miracle. C'est pas Miracle Mix, mais en tout cas, c'est je sais plus quoi. Ah oui, c'est un terreau de plantes tropicales bien ordinaires là, que tu ajoutes dans toutes tes bonnes pépinières. Fait que j'ai mis dans un pot 6 pouces pour être sûr que les racines soient bien compactes dedans, parce que les potos aiment ça être serré dans leur pot. Puis là, ben, c'est ça. Fait que ça, je voulais te montrer. Fait que je suis vraiment contente. Puis il est très, 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 très beau. Sincèrement, bien plus beau que mon autre. Il y a beaucoup plus de variations dans le blanc. Est-ce que je vais être capable de les toffer? Sans les brunir, I hope so. Je ne l'ai pas arrosé depuis sa transplantation. Fait que je veux voir. Tu sais, il est encore bien en forme, là. Tu sais, le Pearl and Jade, c'est pas un potos qui a besoin de beaucoup d'eau, là, en fait, là. Tu sais, moi, ça a tout le temps été quand même assez léger, l'eau, que quand je les arrosais, mais on dirait que des fois,
Je sais pas. Il n'y avait pas l'air d'avoir soif. Je donnais un petit affaire d'eau. Là, finalement, ça y allait pas. Puis là, si je l'oubliais, il brunissait. Puis je dis que. Prends quoi? Puis là. Look at that girl! Non, pas la bouteille de vin. Le mur vide en haut ici qui va nous servir cet hiver à cette merveilleuse expérience qu'on va tenter. D'ailleurs, je pense que je vais peut-être m'acheter un autre potter spurl and jar pour mettre en haut. Ouais. Parce que là, ça, je pense à différentes avenues. Peut-être que je voudrais partir avec les potters les plus foncés sur chaque coin puis descendre avec les plus pâles dans le milieu. Qu'est-ce que tu fais? Ah, que tu manges. C'est bon, on serait fait tout le temps de niaiserie, je veux dire. Fait que, ouais, je voudrais peut-être faire ça. Je ne sais pas. Ou je vais peut-être faire un mix aussi, tu sais, comme partir du plus foncé. Puis non, c'est ça. Dégrader vers le plus pâle dans le milieu. Mais je sais pas. Je sais pas. Ou peut-être faire un mélange. Ou genre un Pearl and Child avec un genre Marble Queen. Puis après ça, genre un Global Green avec genre, tu sais, comme un. Je veux ça un potter, c'est normal, le vert, là. Genre, j'aimerais ça. J'en avais eu à un moment donné, ça chope. Puis là, j'étais comme, ah, mais tu sais, ils sont beaux, mais ils sont juste. C'est comme plate, là. Ils ont rien de plus qu'être vert, là. Puis là, tu vois, j'en voudrais parce que je voudrais faire le mur avec du vert neutre aussi. Fait que, en tout cas, à suivre. Peut-être que ça va être vraiment laid. Peut-être que je me rendrai jamais à quelque chose qui fait du sens aussi. Je sais pas. C'est vert, les ces grands projets. Si j'avais pas une plant shop, je travaillerais pas 45 heures semaine, j'aurais le temps de m'occuper de ça. Mais là, c'est ça qui arrive. Fait que, pis là aussi, ben demain, on va sûrement checker lui, là, monsieur. Il a commencé à faire plein de feuilles jaunes, pareil comme l'autre. Fait que, on va aller vérifier. Il avait pas l'air de sécher, lui, non plus. Fait que, faudrait pas, lui, par exemple. Lui, ça serait chien, ce qui est vraiment beau. Mais le cache-pot l'empêche de respirer. Fait que, d'ailleurs, je pourrais changer de cache-pot, hein. Je sais pas si je pourrais faire ça, là, à un moment donné. En plus, le cache-pot, il est noir. On va comme tenter. On va tenter de changer de cache-pot pour moi qui sèche là. C'est lui. Je peux mettre là. Elle va mieux, elle, depuis que je ne l'arrose plus. La glande, elle m'en fout le white. Elle est super belle, en plus. Bon. Regardez-le. On le voit. Il commence à faire plein de feuilles jaunes. Je ne sais pas si c'est du sun stress ou. Je penserais pas, là. Peut-être tombe pas. Ils ont pas. Ah non, c'est du sun stress, je pense. Parce que, regardez la feuille. Elle est genre complètement rouge. Fait que peut-être qu'il est trop proche de la grow light. Mais en tout cas, je vais le changer de pot pour qu'il puisse respirer mieux. Je vais le mettre dans ce. Ah, il respire pas mieux. Juste trop gros, ce pot-là. Je sais pas dans quoi je vais mettre. C'est là. Alors. Bon, en tout cas, du moins, on verra pas le pot, là. Il y a déjà dit ça. Ça va peut-être faire une certaine arrière entre les. Ah, c'est jaune, là. Je peux pas croire. Ouais, c'est ça, là, tu sais, à un moment donné, là. Je tirais ces tiges. Ah non. Ça avait l'air qu'on est là. Tiens, on est en vue. Bon, donne-moi ça. Non, ça a pas l'air pourri pas à tout. Ça a l'air qu'il fait juste la moue. Je l'ai mis dans un pot noir, là, mais regarde, pour aujourd'hui, on va dire qu'on va essayer de régler le problème comme ça. Ouais, il y a des potos. Puis les synapses, ça va-tu le faire? Au! Je l'ai mis un dans l'œil. Mais boy! Bon. Puis elle doit avoir soif. Je la mets dans le pot noir. C'est pas super bon. Je mets la terre partout. Faut que j'aille me coucher. Rendu 8h37, ça n'a pas de bon sens, Marie. Celle-là, comment qu'elle va? Elle avait commencé à venir une feuille. Mais tout le reste de ses feuilles, ça va. Puis, mon Clédium. C'est assez, ils ont la moue à terre. Fait que je suis comme, ok. Est-ce le temps qu'ils ont envie de juste sacrer leur camp puis aller se coucher puis dormir? Je ne sais pas. Je ne croirais pas. On est quand même en plein milieu de l'été, là, mais. Je sais pas, ils me font la tête, puis c'est pas parce qu'ils ont soif ou quoi que ce soit, là, je check tout le temps. Les Canadiens, c'est. Ah, c'est fou que j'arrose les cactus. À tous les jours, je me dis, faut que je les arrose pas. Je les arrose juste pas. Faut que je les arrose.
Regarde, je vais moins roser bulbe. Ça avec des feuilles, je sais, c'est l'autre chose. Bref, je m'en ai dit que les caladiums, c'est eux que je sais que plus souvent. Mais ça, ce sont toutes que les feuilles, ça grow light. Bravo, gang de championne. Ça allait vous brûler les feuilles. Bon, t'as fait des fleurs. Je sais pas, c'est genre le bordel. Les chelis, le bordel là-dedans, là. Regardez ça, là. C'est tout pognassé. Il y a des feuilles qui sont mortes. Faudrait que je fasse quelque chose. Faudrait. Puis là, ben, c'est ça. Là, ici, c'était les nouveaux synapses, mais là, ouais, c'est bien sec. Là, je m'en occupais plus parce que j'avais trois rosés. Fait que voilà. Regarde, lui, qu'est-ce qu'il me fait, là. C'est bizarre, là, comme. C'est juste bizarre comme. Caladium, là. Regardez, lui. C'est juste vert, plate. On dirait quasiment genre un anthurium. Bref. Je vais aller arroser ça en bas, ça dit quoi? Ça dit, j'ai soif! Aidez-nous! Hey, il y a plein de fleurs de caladium là-dedans. Genre, c'est malade. Genre, lui, il est trop gros. Il est tout coincé. Je sais même pas d'où ce qu'il y a à la feuille. D'où est-ce que tu viens? Tasse-toi! Ah, mais non, c'est ça, la grow light a brûlé parce que c'est un gros épais, puis c'est écrit sa feuille dans un grow light. C'est dit, les feuilles sont rendues bien trop grosses. Puis là, faut vraiment que je m'en occupe. Mon naturel me tend l'air de tout ça. Je sais même plus ça fait combien de temps j'ai pas arrosé. Parce qu'elle me fait chier. Voilà. Les belles girls. Fait que là, je m'en vais arroser bulbes. Demain, je vais arroser ça aussi, ça a l'air. Je vais arroser les tous ceux qui ont des feuilles. Parce que j'ai rien fait en fin de semaine. J'ai une fille de même. Essaye de voir si c'est des problématiques, mais non. Elle pense. Ah, j'ai-tu oublié mon 5e album, moi? Ok, m'en va arroser. Ok, genre, la césure, il y a un arbre aussi qui est tombé. Genre, calice. Ça peut bon sens. Ok, man. I'm fucking ready for it. Oh mon dieu. Ok. Aïe, aïe, aïe. Là, c'est parce que là, on veut se rendre chez nous, hein. Thank you.
Vas-y, viens-t'en. Je suis toute seule et pas rien. Ah, mais là. Ok, c'est bien. Salut. Bienvenue dans le deuxième Derrick Show qui passe chez nous, dans mon domaine. Aujourd'hui, je t'explique pourquoi c'est nécessaire d'avoir des culs de poule. Pourquoi c'est nécessaire d'avoir des culs de poule? C'est que quand tu es sur un puits et que tu n'as pas d'électricité, ben. Tu n'as pas d'eau. Fait qu'il faut que je fasse ma vaisselle. Puis je t'en vais te montrer les hosties de dégâts. Les arbres couchés à terre. Moi, j'en ai. Je pense 3 ou 4. Puis ma voisine en a 5-6. Mon autre voisin, une coupe. Il y a eu de la chance, ça, d'ailleurs. Puis c'est ça. C'est sa deuxième fois, 3 ans et demi, que des Red Show passent ici. Je l'ai manqué de 20 minutes. Quelle tristesse. J'aurais aimé ça être là. J'ai eu peur. Je m'en venais très. Ben, pas très vite, là, mais je m'en venais à vitesse maximale, mettons, je veux dire, des limites sur les routes. Quand j'ai tourné sur une des routes pour s'en venir chez nous, puis les arbres étaient couchés en plein milieu d'une route qui roule 90, qui est super passante pour se rendre à Saint-Jérôme. Puis là, j'ai compris que. Ben, c'était quasiment sûr que ça allait passer chez nous. Fait que j'écoute la radio, j'attends de voir est-ce que c'est une tornade, est-ce que c'est un derecho, est-ce que c'est une micro-rafale, j'ai aucune idée. Selon les dégâts que je vois, ça semble être un derecho, là. Sincèrement, les arbres, ils ont juste tout plié du même bord. Fait que je pense vraiment que c'est un derecho. Mais il y avait beaucoup d'annonces de tornades toute la journée, puis même que... comme ma patronne était censée venir me voir, puis finalement, elle a dit, gars, je viendrai pas, il y a des annonces de tornade. Puis je suis comme, bah, d'habitude, il y a des annonces, mais ça passe pas ici. Ben, ça passe pas où est-ce que je travaille. Puis là, j'étais vraiment OK, tu sais. Puis là, finalement, t'es chez nous. C'était chez nous. Je suis arrivée 20 minutes trop tard. Mais pas rouler assez vite. Ça a l'air que là, il y a eu genre un gros épisode de grêle, puis après ça, le vent a tout couché les arbres. Fait que c'est ça. Fait que je vais laver ma vaisselle. J'ai de l'eau. Heureusement, j'ai ma piscine. Ça arrive juste l'été, ça. Heureusement, j'ai une piscine, là, parce que je peux prendre l'eau de la piscine pour flasher ma bolle. Et d'ailleurs, il va falloir que je me lave les cheveux parce qu'ils mouillaient en salle. Puis que, ben, j'ai envoyé des vidéos à ma voisine. Finalement, ma voisine, elle n'a pas été capable de les recevoir, mais elle est débarquée à la maison. Fait que là, j'ai tout couru, genre, pour dire comment elle était sur mes messages, puis tout ça. Genre, t'as comme plein d'arbres de coucher sur ton terrain, puis tout. Et dans la rue, parce que nous, on est un domaine. Il faut savoir qu'en étant un domaine, la ville ne viendra pas nous aider, là. Fait que c'est genre comme, arrache-toi avec tes troubles. Fait que si t'as pas de chien de ça, t'as le four dans le cul, puis tu te fies sur tes bons voisins pour venir te donner un coup de pouce. Fait que c'est ça. Fait que, mais heureusement, elle a une chaîne de ça. Fait que d'après moi, ça va être un week-end de... On chaîne ça, tous nos arbres. C'est super. Puis on en a beaucoup quand même, là. C'est comme moi, j'en ai 4 en avant. Puis 2 en arrière, dont un qui est couché sur mon terrain. Fait que, bref, je peux pas trop te parler parce que j'ai pas de batterie, puis j'ai pas d'électricité. Fait que... On va faire un sel, puis on s'en va faire un petit tour. Bon, après moi, je pense que je dois être une des seules qui a le moins de dommages. C'est juste de ce côté-là. Vous pouvez entendre Chine ça. On va aller voir ça. Là, bien entendu, je vous montre juste mon domaine, là, parce que j'ai vraiment pas envie de sortir d'ici. Ça sert à rien. Puis, parce que... Je vous mettrai des images de quand je me suis envenue au PS pour les voyeux, les voyeux. Puis là, on va reculer ça, puis on s'en va. Je vais aller vous montrer ça sans essayer. Ah, c'est vrai. J'avais oublié que j'avais un bout de branche en dessous de mon char. Ça ici, c'est juste en avant de chez nous. Et dans le fond, en fait, c'est ma voisine, là. Ben, c'est ça. Fait que là, je sais pas c'est qui coupe. Ah, on a une compagnie. C'est super. Fait que je m'en vais vous montrer le reste.
Bon, elle, ça a été plus que déranché. Là, on a. Lui ici, lui, d'habitude, il triple. Il triple sur les arbres. Il aime ça couper des arbres. Il passe sa vie à couper des arbres. Ensuite, ici, on a encore, ben ça c'est tout petit, hein, un tout petit arbre. Ici, un autre arbre. Et si on continue, là, je pense qu'ils ont peut-être fait le ménage du chemin parce que, écoute, ça fait peut-être une heure et demie que c'est arrivé. Il y avait, ah oui, c'est ça, ils ont coupé l'arbre qu'il y avait ici en plein milieu. Fait que ça, c'est déjà très bien. On peut circuler dans le domaine. Je vous montrerai les images quand je suis rentrée dans le domaine. Ah ben voilà, voilà. Voilà, voilà, voilà. On a ces deux beaux arbres-là bien allongés de tout leur long, mais quand même, ça bloque juste un côté de la rue. C'est quand même pas si pire. On va pouvoir circuler quand même, mais quand on va faire un U-turn, on va aller plus loin dans le domaine. Passera, elle a encore un gros arbre de coucher dans la rue, là. C'est super. Fait que. On a ici, de ce côté-là. Un petit arbre couché, un autre petit arbre bien, bien couché. Mais là, il y a quand même eu un certain ménage. Là. On a ici un arbre bien, bien étendu de tout son long encore. Évidemment, on a commencé le ménage dans le domaine. Ici, c'est un de mes voisins. Lui, il y a 9 arbres couchés sur sa maison. Je crois 3 arbres couchés sur sa maison, 9 arbres cantés. Fait que voilà. C'est la deuxième fois. Qui se retrouve avec des arbres couchés sur son toit de maison. Là. Ça commence à être gossant. Puis, tous les arbres qui ont évidemment penché. Mais peut-être c'était une tornade. Finalement, les autres sont penchés d'un bord, puis moi, chez nous, ils sont penchés de l'autre côté. Donc, so, ici, on a un char. On a d'autres arbres. Vraiment tous cantés du même bord. Ah, regarde, tu vois, là, avec le X. C'est ça. On va aller checker un petit peu plus loin. Je sais que cette rue-là était barrée tantôt. Ah, bon, ben regardez, on va y aller, hein? Ça a vraiment tourné, on dirait. Ah, bah, là, les gens sont sur leur stationnement. Les gens finissent de travailler. Ils comprennent pas trop ce qui est arrivé ici au passage, là. Fait que. Ah, wow! OK. C'est super. OK. OK, wow. C'est ça. Bon, c'est l'écorce a crissé son camp derrière l'arbre aussi, par le fait même. On va aller voir un petit peu plus loin. Voilà, bon, on en a ici aussi. C'est super. Ils sont vraiment pas tous couchés du même bord. C'est ça qui est impressionnant, mon doux. OK. Fait que ici, ça a brassé aussi pas mal. Ah, bon, ben un arbre déraciné. C'est super. Je sais pas si vous allez pouvoir le voir. Dans le fond, je pense que je vais ici dessus. On le voit-tu? Ouais, on le voit. Fait que voilà. Puis, bien évidemment, il va falloir que je fasse un U-turn parce que clairement, ça ne passe pas ici. Et c'est un. Hip-hop boy. Et c'est un. Cul-de-sac. J'ai quasiment manqué celle-là. Lui, il est couché dans un fil électrique en haut. Là. Je sais pas si vous êtes capable de voir. Juste ici. Voilà. Un super beau des ranchos. Que j'entends de la chaîne ça par là. On va aller jeter un œil par là. Oui, je filme au volant, mais je roule 20 km/h puis je suis dans mon domaine, fait qu'il n'y a pas de danger. Ah, ben voilà tout. Ici, c'est incirculable. Voilà. Fait qu'il y a 2 arbres couchés en plein milieu de la rue. Comme ça, avec les fils électriques. Wow! OK. C'est quand même intense. OK. Donc, de ce côté-là, on a un peu des résidents mal pris. On peut voir, c'est tout déranché, puis voilà. Voici la raison de notre panne électrique. Hydro-Québec disait qu'on allait recevoir l'hydro vers 5h45. J'ai dit à mon chum, j'ai dit, ouais, quand ils vont rentrer dans le domaine, ils vont comprendre que ça se fera pas en 2 minutes. Fait qu'on va essayer de monter un peu plus haut. On va aller voir s'il y a moyen de passer pour aller jeter un petit œil. Ici, on a un autre arbre de coucher, mais ça va bien. On n'obligera pas les gens à déplacer leur véhicule. Donc, je vais faire un U-turn parce que c'est encore bloqué. Ah, ben oui, voilà. Il y a un fil électrique à terre ici aussi. Fait qu'on peut pas passer. Fait que voilà, le câble est juste à terre ici. Puis le gars, ben sa maison est complètement enterrée sous les arbres. Ouais, l'autre câble est juste là. On le voit-tu? Juste ici.
ben l'herbe est complètement couchée par-dessus le fil. Là, on le voit bien. Fait que voilà. C'est super. Un petit oiseau vient de me dire à l'oreille que on voit bien la trajectoire de la tornade. Moi, je la vois pas. Là, elle me dit, ah oui, elle dit, tu vas voir plus loin, tu vas très bien le voir. Moi, je pense que les hélicoptères vont peut-être faire le tour puis essayer de comme capter ça de haut pour qu'on puisse voir bien la rotation. Mais je pense qu'on voit bien que les arbres sont pas tous penchés du même côté. Là. Fait que ça en a du long. Puis tu sais qu'il y a des écorces d'arbres qui est partie. Vous dire, probablement c'est une F1. Parce qu'il n'y a pas de dégâts nécessairement matériels. Ah, j'avais pas vu que... Ah, ben Colin, lui, il y a même des arbres. Ah, j'avais pas vu que j'avais passé en dessous d'un arbre qui tient un fil électrique, c'est quand même cool. Ou inversement, là. J'avais pas catché. Fait que je vais descendre un peu plus creux de l'autre côté du domaine. Hein. Fait que on va aller zioter ça. Mais effectivement, là, tu sais, quand on regarde, les arbres ici sont couchés bien droits. Puis quand on regarde ici, ils s'en vont par là, par là. Fait que est-ce que c'est le courant? Puis ici, regardez, on voit que l'arbre n'est pas penché du même côté que les arbres qui ont cassé. Fait que on va tourner ici. On va aller zioter. Je crois que c'est un chemin fermé ici. Fait que il se pourrait qu'il y ait encore des arbres. Ah non, c'est ça, gars, ça a déraciné ici. Je m'allais dire, il se pourrait qu'il y ait encore des arbres. Ah ben oui, mais non. Il faudrait qu'il reste quelques arbres du dernier derrière chaud qui a canté sur le site parce qu'il n'y avait pas tous été ramassés dans le domaine encore parce que ça faisait partie de la forêt puis c'était... What? C'était correct. Ben là, voilà. Encore un fil électrique qui tient un arbre. Bon, là, c'est pas super sécuritaire ce que je fais. Je vous l'accorde. On a le poteau qui tient le fil qui semble pas tant triper sa vie. On va passer quand même vite. On se tirera pas en dessous, tu sais. Ok, fait que je vais. Ouais, ok. Eh ben oui, hein. Ok, on le voit, là. Ok, je le vois, là. Je la vois, là, la trajectoire. Ok, c'est bon. Ok, ouais. Ok. On le voit, les arbres qui sont placés différemment ici. On est un peu plus haut dans le domaine, dans le nouveau développement. Là, ouais. Peut-être être capable de passer ici. Attends, je vous reviens. Bon, donc je viens de parler avec deux autres propriétaires qui disent qu'il y a un petit couple qui était en visite et qui n'ont pas osé débarquer de leur véhicule parce qu'ils voyaient que ça tournait comme ils étaient dans l'auto puis ils voyaient comme que ça tournait en avant d'eux. Juste parce que je vous ai montré que toutes les arbres étaient couchées sur la maison. Donc voilà. Fait qu'on a une petite confirmation ici. On va attendre la confirmation des autorités compétentes dans le domaine, mais pas dans mon domaine, mais dans le domaine des tornades. Je suis vraiment déçue d'avoir manqué ça, sincèrement, là. C'était une tout petite en plus, fait que ça aurait été easy shot, là. Mais bon. Puis je vais aller checker aussi sur Amateur de météo du Québec. Souvent, on a notre bon Éric Tourangeau qui va pouvoir nous en dire plus. Je vais quand même prendre quelques petites photos à titre indicatif pour pouvoir les mettre sur notre bon groupe de météo amateur. Ce qui m'arrive jamais. Mais là, je me suis dit aussi bien commenter la situation puisque il va y avoir, d'après moi, quand même quelques personnes qui vont faire des demandes d'assurance dans tout ça. Fait que voilà. Je crois aussi avoir oublié de vous dire que le premier voisin avec qui j'ai parlé, je crois, son cabanon est complètement détruit. Parce qu'il y a un arbre qui est tombé direct dessus. Puis je pense qu'il était comme en construction. Là, fait qu'il a genre juste tout pété en mille morceaux. Fait que voilà. Mais somme toute, tout le monde semble OK. Je parle avec beaucoup de gens et tout le monde a l'air... safe. Là. Fait que voilà. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas d'affaires dans le domaine et qui sont là justement parce que les gens viennent constater les dégâts. Des chasseurs de tornades, des chasseurs d'ouragans et ça. Voilà votre petite visite guidée de mon domaine. Tout dérangé. Voilà! Bon, bien, maintenant que je vous ai montré tout le monde, excusez que mon gros pouce, je vais l'enlever. Je vais vous montrer chez moi. C'est assez easy shot chez nous, mais vous dire après ce que, tout ce que je viens de vous montrer. Moi, à chaque année, à chaque dérèche chaud, je suis quand même chanceuse. Fait que voilà. Ça, c'est un de mes arbres qui est tombé juste ici.
aussi, mais il était mort. C'est bien chill. Moi, j'avais espoir que ceux-là tombent parce qu'ils sont décédés qu'il fallait les passer à chainsaw, mais non. À la place de ça, j'ai un top de sapin en bonne santé, somme toute, qui est tombé, comme ça. Lui, il vient de quel bout? Je le voyais d'être dans la maison, mais je le vois plus à partir d'ici. Je sais pas où ce qu'il est. Ensuite, on continue un peu plus loin. Puis on a un superbe sapin juste ici. Ah, il est là, mon top. C'est cet arbre-là juste ici en avant de vous, qui était quand même gros, mais c'est ça, il est tombé. Puis un sapin qui est tombé, lui aussi décédé, dans un de mes arbres, qui est juste là, qui a survécu mon arbre. Et si... Ow! Qu'est-ce que tu fais? Je me fais piquer par une libellule. C'est wrong. Elle était comme accrochée sur moi, genre en mode genre, aide-moi! Puis là, je suis comme, ouais, non. Fait que moi, j'ai le droit à ce sapin-ci, ce sapin-là. Puis là, on voit bien que les arbres n'ont pas cassé du même côté, même ici. Fait que, voilà. Puis même dans le fond, là-bas, je sais pas si on est capable de le voir. Faudrait que je rentre dans le sentier. Je vais rentrer dans le sentier. J'ai hâte de voir que ma voisine adore un autre. Ici, on a... Mais là, c'est ça. En marchant dans le sentier, qui est juste à côté de chez moi, on va en voir pas mal, là. Fait que lui, on voit qu'il est... Ah, il est déraciné. C'est super. Marchons dans la forêt nébuleuse. Ah, mon Dieu, il y a bien des arbres qui sont tombés ici. Ah ouais, regarde lui aussi, là. Tout croche. Puis, on a les vieux restants. Probablement du dernier des raies de chaud, là. Comme lui qui est canté. Ah, c'est ça. Je pense que lui qui est canté là, il était déjà canté de même. On l'avait juste pas... On l'avait juste pas fait. Mais là, on va continuer un petit peu plus loin. Parce que lui, il est déraciné. Lui, il est cassé en deux. Lui, il est cassé, mais pourri, hein, aussi. Puis ça, par contre, ça n'était pas comme ça, ici. Fait qu'on a un beau sapin déraciné encore. Parce que j'avais fait une vidéo YouTube. Pas YouTube. TikTok et Instagram, ici. On peut bien voir que ça, c'est frais, là. Même chose quand on descend, j'en ai un autre ici. En fait, j'en ai deux. En fait, j'en ai trois. OK. Bon, c'est super. C'est encore sur mon terrain, soit dit en passant. Lui aussi, d'ailleurs, est encore sur mon terrain. Lui aussi, d'ailleurs, est encore sur mon terrain. Et voilà. On va essayer de passer en dessous de ça. Puis on va se rendre compte que complètement le sentier est saccagé, là, mais à un autre niveau. Voilà. Là, on en a un autre là. Juste ici. On ne rendrait pas vraiment plus loin, mais on peut bien voir là, que le vent s'en allait par là. T'sais, on le voit là. Comme ça. Puis, quand on regarde ici, les arbres sont couchés par là. Par là. Fait que soit que la trajectoire a juste passé de même en diagonale, comme ça, puis le boum! Tout le monde a couché par là, mais sur là-bas, puis en avant, c'est pas canté de la même manière, puis ailleurs d'autres dans le domaine non plus. So, on sait qu'il va rester beaucoup d'arbres ici l'année prochaine. Là. Au prochain des raies de chaud, je pense qu'on n'a plus de bois ici, puis on est déboisé pour gratis. Un autre là. Fait que voilà. C'était le room tour du gros pouce à Val. Ah, moi, j'étais un peu... J'étais un peu débiné de voir que tout mon terrain, que mes arbres sont coupés. J'avais comme pas été jusque-là, là, mais... Parce que, tu sais, j'y vais pas dans ce bois-là, mais ça reste quand même sur mon terrain. Là. Puis ça fait comme 1, 2, 3, 4, 5, 6... Un bon 6 arbres juste sur le terrain en arrière. Sans compter, ben là, tu sais, tout ce qui est sentier, ça va être probablement l'équipe de sentier qui va venir s'en occuper. Là. On a quand même une compagnie qui s'occupe de nos sentiers, mais comme ça me toute. Je vais aller me laver les cheveux avec mon eau de piscine. Là, c'est ça. Ça va ressembler à ça. Puis mon toit de maison va comme ça me toute très bien. Là. Juste quelques feuilles. C'est quand même bien. Mais sérieux, on n'aurait pas le choix d'aller acheter une chaîne ça pour le chum. Que le chum il puisse tout couper ça parce que
Moi, sincèrement, c'est pas mon genre de joujou dans la vie, mais demain, je sens que Canadian Tire va aller se faire dévaliser toutes ces chaînes-là. Fait que je pense que pour faire plaisir aux chums, on va aller se grayer d'une chaîne-là. Oh! Un gros crapaud! Qu'est-ce que tu fais, toi? T'as survécu, toi? Ben oui. C'est pas facile, hein? Allez voir, il y a plein de bonnes choses à manger. Fait que ouais, fait que c'est ça. Fait qu'on demandera pas au voisin, parce que le voisin, il a déjà beaucoup, beaucoup de jobs qui l'attend quand que... en fin de semaine. Puis, ouais. C'est gossant. Fait que, en tout cas, je vais aller me laver les cheveux, rincer avec de l'eau de piscine dans une chaudière à mop, puis ça va être super. C'est, écoute, c'est ça. Fait que, au! Je me suis piqué le bout du gros orteil! Ah, ça fait mal. On entend bien, hein, les gens qui ont des génératrices qui payent cher en électricité. Là, ça nous invente, tu vas essayer de bouger tes arbres? Non! Seul, c'est impossible. C'est trop gros. C'est trop, trop gros. Ok, fait que voilà. Fait que, on se reparle plus tard parce que là, il faut que je garde ma batterie. Ok, bye! Nous sommes le lendemain! Ha ha! J'ai un peu plus de batterie, j'ai beaucoup de godbelles qui passent parce que, bon, les fils ont tombé à terre, comme je l'ai montré hier. Mais c'est acheté un petit kit de base. Projet du jour. Ok, tu t'es beau. Projet du jour. Et dans le fond, ça va être de ramasser les arbres. Là, j'ai déjà commencé. On a ça en avant de la porte. Lui, il faut que je m'attaque à ça, là. Puis pour la cause, j'ai acheté cette magnifique chainsaw. La première chainsaw de toute ma vie. Yay! Fait que kit de base, chainsaw. C'est une chainsaw électrique. Fait qu'évidemment, faut que j'attende qu'il y ait de l'électricité. D'ailleurs, j'ai vu un cas d'hydro passer. Puis là, vous allez voir un gars de Belle là, qui passe dans ce bout-là. Youpi! C'est le fun. C'est genre juste des allers-retours de gars de Belle. Je pense que ça va faire à remonter les fils de câble. Parce que je pense que le câble est avant l'électricité. Allez, go! Fait que c'est ça. Puis là, je m'en vais dans le fond avec mon sécateur à recouper toutes les branches des arbres pour faire des tours au bord de la rue pour que ça soit plus simple pour un chum de couper ça en bio. Fait que voilà, j'ai ma petite radio électrique. Ce que t'entends en background, c'est la génératrice de mon voisin. Qui, lui, le chanceux, peut garder sa bouffe au frais. Moi, j'ai transféré ma bouffe au travail, comme d'habitude, mais juste une partie. Parce que j'ai un congélateur 30 minutes. J'ai des gros billets. Comme d'habitude, j'ai un congélateur 5 pieds cubes qui rentre pas nulle part. Fait que là, lui, il a pas été ouvert, par exemple, depuis hier. Puis là, ben, vu qu'il fait bien chaud, je m'en vais me changer parce que là, j'ai déjà un arbre de fête du côté de la maison. Puis, ben, donnant que mon chum ait pas envie de couper l'arbre, ben, au moins, il va rester juste les gros bio. Fait que ça va déjà être moins pire pour moi. Parce que je sais pas si t'es à l'aise. Je pense qu'il a jamais joué avec une chaîne ça de sa vie. Fait que voilà. Puis je m'en vais devoir faire ça. Je pourrais pas filmer parce qu'il me reste vraiment pas beaucoup de batterie. Puis je sais pas quand est-ce que l'électricité va revenir. J'ai vu les gars d'hydro passer, mais me semble-t-il que... Je pense qu'ils constatent les dégâts. Ah ouais, puis il y a un hélicoptère qui s'affaire à genre passer à genre ça des arbres. Qui fait le tour du domaine puis du coin. Une tornade a été confirmée. D'ailleurs, je l'avais pas dit, ça a été confirmé. Il y a une tornade qui est passée chez nous. Fait que j'imagine qu'ils vont nous sortir le F combien qui a passé. Moi, je pense que c'est comme F0 ou F1. Là, c'est genre, tu sais, y a pas de toiture qui a arraché rien. C'est juste beaucoup d'arbres à terre. Puis moi, heureusement, ça fait deux fois que j'étais épargnée en termes d'arbres. Je veux dire, tu sais, t'as ma voisine qui en a genre 56 sur le camp. Puis t'as genre moi qui en a genre, je sais pas, mettons max 10. Fait que c'est quand même pas si pire. On va être pas mal déboisé, par exemple, après tout ça, là. C'est ça, là. La nature fait bien les choses. Elle se débarrasse de ce qui est plus bon. Bon, ben, fait que c'est ça. Fait que je repars aller faire ça. Puis à un moment donné, quelque part dans ce vlog, et que j'imagine que je vais filmer des plantes. Ciao, à tantôt! Maintenant, je veux voir de quelle banque va tomber. Ouh! Ah!
Ta scie est pognée là? Ah, mais c'est pas pire, hein? Tu l'as, le fait. OK. Bien, là, on est mardi. Non, on est lundi. On est lundi suivant, ben, là, ce que je vous ai montré, dans le fond, en vidéo. Là, je vous m'excuserai, il fait encore 39 degrés ici. Fait que c'est ça. Ça va avoir l'air de ça. C'est ça. On se traîne à moitié habillé, là. Fait que c'est la vie. Ouais. Fait que là, on a réussi à tout ramasser les arbres, avec mon chum. On a. Parce que là, j'ai acheté une chaîne ça. Ouais, j'ai le choix, là. On était rendu là. C'était too much. J'ai commencé à demander à mes voisins de venir nous aider à couper, dans le fond, les arbres. Fait que j'ai acheté une chaîne ça électrique. Puis c'est ça, on s'est attaqué à tout ça. Je pense que, en tout cas, je sais pas, mon chum m'a dit qu'il a coupé 10 arbres. Moi, je n'ai pas vu autant. Fait que, tu sais, aussi, il y en avait qui étaient déjà morts, qui n'étaient pas tombés. Fait que là, on en a profité, on les a enlevés. Ça fait de la branchoille, les chums! Ça fait de la branchoille. Fait que là, j'irai vous montrer tout mon devant de terrain. C'est juste du sapinage. Tout le côté de mon terrain, c'est genre une corde de bois. Parce que la ville ne prend pas les bûches, prennent juste les branchoilles. Les branchoilles, c'est des petites branchettes, là, des petites branches de sapin. Là, c'est super, super. Excuse-moi, j'avais encore mes bas. Je viens d'arriver. Ce n'est même pas 5 heures encore. Je suis déjà en vlog. Parce que sinon, ça ne le fera pas. Je ne réussirai jamais à finir cette vidéo. Puis entre-temps, j'avais envie de te faire rire, toi, mon tube. Écoute, bon, je sais que tu me connais pas sur cet angle-là, mais tu sais, à un moment donné, quand t'as du choix, t'as du choix. Puis, j'ai malheureusement une marmotte qui a décidé de se faire un nid, de creuser directement dans mon champ d'épuration. Dans le fond, c'est où est-ce qu'il y a mes eaux usées qui coulent. Fait que, puis ce champ-là, par-dessus, moi, j'ai fait un jardin. Tu sais, je peux vous le montrer vite fait par la fenêtre. Je pense qu'on peut le voir. Il est là. Voilà. Fait que, puis là, quand j'ai vu ça, je me suis mis à capoter. Fait que là, j'ai demandé la cage trappe à mon voisin. Parce que, tu sais, je suis une amoureuse des animaux et je comprends que j'habite en forêt. Par contre, si c'est pour me coûter 10 000 $ de champ d'épuration, ça ne le verra pas. Fait que là, je me suis dit, bon, parfait, j'installe la cage trappe. C'est pas la première fois que je trappe des marmottes. J'ai envie de vous dire que si jamais vous aussi, vous êtes aux prises avec des marmottes, chez nous, c'est un real Airbnb. Ils sont nourris, logés. Aussitôt qu'il y en a une qui part, il y en a un autre qui s'installe. C'est l'enfer. C'est l'enfer, mais c'est ça. Puis ils sont nourris parce que pour les trapper, ben, j'étais obligée de les mettre de la bouffe. Puis c'est ça. Puis là, j'ai oublié de fermer la cage la nuit. Parce que, tu sais, une marmotte, ça sort pas dans la nuit. Une marmotte, c'est pas un prédateur. Une marmotte, c'est une proie. Fait que ça fait dodo la nuit. Puis là, ben, moi, comme une épaisse, j'ai oublié la cage ouverte. Fait que j'ai trappé une moufette. Mais c'est pas la première fois que ça m'arrive d'oublier la cage ouverte parce que, comme je vous dis, je suis rendue avec un Airbnb normal, ça. Fait que là, j'ai laissé ça. Là, je sors dehors, je vois la moufette. C'est pas la première fois que je dois gérer une moufette dans une cage. J'avais déjà pogné la maman cet été. Comme je vous dis, je pense que je suis rendue à 5 marmottes que je déplace. Là. Fait que c'est vraiment l'enfer. Là. Puis c'est ça. Fait que là, j'avais pogné la maman. La maman, elle avertissait qu'elle voulait arroser. Mais elle n'a jamais arrosé. Fait que j'étais capable d'ouvrir la cage, tu sais. Ben an, elle voulait criser son camp. Puis moi, ben, je voulais qu'elle s'en aille aussi. Fait que, puis c'est ça. Puis quand j'avais ouvert la cage, la maman, elle avait vu que la cage était ouverte. Puis elle était tellement fatiguée, parce qu'elle avait passé la nuit à essayer de sortir de là, qu'elle s'était mise en boule dans la cage. Puis elle avait fait un petit dodo avant de partir. Fait que c'est ça. Fait qu'elle avait dormi. Fait que, tu sais, zéro maligne, là. Fait qu'elle m'avait dit ça qu'elle voulait m'arroser parce qu'elle avait peur, mais elle m'a jamais arrosé. Fait que. Là, le bébé! Oui, les chums. Il est 7 h le matin, je m'en vais checker à la cage. J'ai pas déjeuné, je viens de m'ouvrir les yeux. Ça fait même pas 5 minutes. Tu sais, je fais pas exprès pour que les animaux restent longtemps à la cage parce que, tu sais, évidemment, Colin, c'est pas drôle. Là. C'est pas le fun pour les autres, c'est traumatisant aussi. Fait que, je me dis, plus vite que je vais voir, ben, plus vite que je peux déplacer l'animal, tu sais. Fait que c'est ça, 7 h le matin, en pyjama, en gogoune, en gazon. Fait que je m'approche, là, je l'avouais, là, je suis comme laissée de parler doucement, je suis comme, pour petit poulet, je sais, t'as peur, nanana, fait que je m'approche, puis là, elle se grimpe, fait que là, je suis comme, bon, tu fais pareil comme ta mère, c'est bien correct, t'essaies de me montrer que t'as peur, puis c'est bien correct, je respecte ça.
Fait que je me recule, je laisse le temps à se détendre un petit peu. Fait que là, je dis, bon, parfait, je vais aller ouvrir la cage. Ben là, elle s'est revirée de bord, mais elle m'a pissé dessus. Fait que je me suis fait asperger à 7 heures le matin. Partout sur mon pilge, par un petit bébé moufette qui avait peur. Fait que, en plus, j'ai vu le jet partir, je me suis tassée, puis j'ai comme, je disais, j'étais sûre d'avoir évité le jet. J'étais comme, genre, je rentre dans la maison, j'ai mon chum, je dis, j'ai là, genre, je pense qu'elle a voulu m'arroser, mais j'ai vu le jet partir, puis je me suis tout de suite tassée, tu sais. Puis il se rapproche de moi, il me sent, il sort, là, quasiment, genre, j'étais comme là, oh mon Dieu. Fait que j'ai dû jeter mon linge, évidemment, et là, tout mon terrain sentait dans le coin où il fallait qu'on élague les arbres en plus. Bref, tout y a du plaisir. Fait que finalement, j'ai mis une couverte par-dessus, puis la cage, puis j'ai ouvert la cage, puis elle est partie. J'ai toujours pas payé ma marmotte à l'heure du jour et elle continue de sortir de la terre de mon champ d'épuration et je pense que tous les nuits je me couche puis genre je fais de l'anxiété que ça. Anyway, fait que c'est ça qui est arrivé puis là, c'est ça. Là, si je fais ça, je rentre à la maison puis là je me dis, hey, je vais aller ouvrir la fenêtre parce que vu que je suis rentrée dans la maison puis que je sentais fort la moufette, il fallait faire aérer. Fait que je rouvre la fenêtre qui est juste ici, les chums, et comme. Pour aucune raison, le pot de fleurs qui était dans le macramé et le macramé ont lâché sur ma tête. Parce que c'était ça, c'est ça. Ça allait avec ma semaine. Fait que moufette qui m'arrose, pot de fleurs sur la tête, tout dans le même moment quasiment. La tornade un peu avant, le manque d'électricité. C'était que du plaisir. Ça sent la routine. J'ai envie de dire ça comme ça. Fait que c'était ça, ça annonçait, c'était annonciateur pour ma semaine, tu sais. C'était comme une belle finale, tu sais, là. Fait que, mais j'ai pris ça à rien. Tu sais, je veux dire, j'étais pas fâchée après vous faire tout. J'étais juste comme, ah, je te comprends, là. Tu sais pas c'est quoi un humain, tout ça. Fait que, c'était mon moment pas tendre avec une moufette des Laurentides, là. Bref, pour le reste, évidemment, j'arrose encore des plantes. Puis c'est ça. C'est beau, ma vie! Fait que, en gros, ça a été ça ma semaine. J'ai pas vraiment eu le temps de m'occuper des plantes. Mon Dieu, je suis désolée que mon air fryer, là, j'ai tellement même pas le temps de me faire manger, là, gars. Fait que, là, c'est ça. Je vais essayer d'avancer ma routine du soir, surtout pour les animaux. Mettre la bouffe, arroser, parce que là, j'ai comme beaucoup de problèmes d'arrosage, là. Avec tout ce qui s'est passé, j'ai pas pu vraiment m'occuper des plantes. Fait que mes gros problèmes sont que les plantes ont vraiment fucking soif. Puis que j'ai pas eu le temps de les arroser. Fait que là, ils sont en train de mourir. Puis en plus, les grow lights marchaient dans les plantes de l'achat. Fait que là, écoutez, ils ont eu chaud plus que pas assez. Là. Fait que il faut que je m'attaque à les remettre en santé à un tantinet. Là, ça, ça va être pour l'avoir. Ouais. Puis là, ben c'est ça. Fait que là, ça va être un gros arrosage encore une fois. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? J'ai fait de quoi avec une plante? Je me suis dit, ah, faudrait que j'en parle, je me rappelle plus. Ah, mais je vous ai montré mon potos Global Green qui est rendu en eau. Ça, c'est vraiment cool. Ah, puis c'est ça, j'ai coupé ma Monstera Aurea que vous voyez jamais ici en vidéo. C'est un plan vert. Parce qu'il y avait le Grow Point qui a poussé à un endroit où est-ce que ça faisait pas de variation. Fait que là, les feuilles sont toutes vertes, puis mon philodendron Florida Ghost, non, Florida Beauty, a fait la même chose. Fait que les deux, j'ai fait des cuttings avec, je les ai mis en eau, là, je me suis pas stressée avec ça, parce que de toute façon, les feuilles sont vertes, sont plates, là. Fait que, puis là, ben c'est ça, j'avais envie de faire une section sur mon site qui s'appellerait le coin des Revert. Tu sais, les plantes qui ont réversé, que genre, ça va donc mal leur vie, là. Bon, ben, j'avais envie de faire ça. Puis, tu sais, ça, c'est. Moi, je trouve que c'est quelque chose de super intéressant parce que la plante est vraiment pas chère, mettons, en termes de. Tu sais, comme, mettons, le cutting que je l'ai pris sur, exemple, une Monstera Aurea, là, je risque de vendre ça, je sais pas, même, je sais pas, 25$, le max, pour 3 feuilles. Puis, la personne a des chances d'avoir des variations sur le système plus loin, tu sais, mais c'est juste que pour l'instant, il est pas varié. Puis, il y aurait des chances aussi qu'il reste vert, là, tu sais. Fait que je trouve que des fois. De payer des plantes de même pas trop cher, ben ça donne, tu sais, comme ça donne la chance de peut-être avoir finalement une plante variée pour peut-être 15$, genre. Puis je trouve que ça vaut la peine. En tout cas, bref, ça, c'était mon petit coin. Je me suis dit, ah, ça pourrait tellement être cool de faire ça. Genre, ben, tu sais, c'est sûr, je n'ai pas des centaines, je pense que j'en ai deux. Mais ça pourrait valoir le coup, tu sais, des plantes revert. Moi, je n'ai jamais eu, mais j'ai déjà vu beaucoup de gens bien réussir avec des plantes qui sont réversées.
à avoir une plante qui revient avec des belles variations. Puis tu sais, mon plant mère, il y a vraiment des variations insane, mais il est super beau. C'est sûr que lui, il date de... C'est quoi? Ça fait un an et demi, je l'ai, je pense. Hein? Ouais, ça va bientôt faire 2 ans. Puis il y a encore ces 2 feuilles d'importation, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, tu sais, les plantes sont pas mal plus variées. Là, même dans le temps, tu sais, mettons comme les Monstera, taille constellation, là. Les génétiques n'étaient pas si folles que ça, du PSA un peu plus, tu sais. Moi, je trouve que la mienne avait vraiment une belle génétique, puis sincèrement, en tout cas, regarde, c'est sûr qu'elle n'est pas toute variée, là, tu sais, il faut qu'il reste du vert, là, mais je la trouve bien dosée, puis elle est super belle, tu sais, fait qu'en tout cas, il y a toujours moyen de moyenner à retrouver quelque chose de potable sur cette plante-là. Qui, là, pour l'instant, fait juste du revert, mais qu'à un moment donné, peut-être qu'elle va donner de quoi de vraiment insane. Ah, c'est bon, ça me revient, là. Qu'est-ce que j'ai fait avec une plante que j'étais comme genre, je suis fait de quoi que c'est une plante, mais je ne m'en rappelle pas laquelle. C'est Mademoiselle ici. Ouais, tu Ouais, Mademoiselle Friedrich, là, elle a été rapotée. Elle a eu droit à beaucoup de titranic, fait qu'elle a beaucoup de piqûres. Elle a été traitée au Bactec. Puis j'ai décidé d'enlever une bonne partie de son feuillage qui était bien affecté. D'ailleurs, ce serait un bout que j'ai pas regardé, là. Je sais pas s'il y en a encore, là. Si c'est juste des piqûres ou... Ouais, je pense pas que c'est revenu nécessairement, mais... écoutez, elle fait pique en maudit. Elle fait dur. Elle fait dur, la pauvre, là. Fait que là, c'est ça. Je l'ai dépotée, je l'ai rempotée. J'ai changé une partie de la terre, je pense, comme peut-être un tiers de la terre que j'ai changé pour de la nouvelle terre. J'ai pas, tu sais, j'ai pas particulièrement de terreau que j'ai pris, là. J'ai pris une terre à plantes tropicales, puis c'est tout. Pour m'assurer, tu sais, dans le fond, que... Mais que le terreau reste pas. Parce que j'ai besoin d'un terreau pas trop drainant, moi, là. Faut que les plantes restent quand même humides un peu sur tous les alocasias, là. Ils aiment bien ça être humide. Fait que c'est ça. Ben, tu sais. En tout cas, ma Friedeck est régulière. Et pas pareil que ma Friedeck variée à sèche-chouette. Ma Friedeck régulière un peu moins. Fait que. Ah, oh, mon soupir est prêt. Ah! Yes! Fait qu'en tout cas, bref, tout ça pour dire que j'avais l'impression que le fait qu'elle ait un petit peu moins d'eau à disposition, à cause que le terreau était plus bon, ça faisait qu'elle avait des titraniques, puis tatatou, tatatou, tu sais, c'est peut-être des idées que je m'invente, là. C'est souvent, c'est un manque d'humidité. Excuse-moi, là, l'humidex, c'est en site, les sites, là, il est comme dans le tapis, là. Il en manque pas d'humidité, là. Fait que, non, là, les titres, je sais pas c'est quoi le problème, là, ils sont vraiment comme gossants, là, et... J'en avais après ma Calathea Rosier. Puis là, après ça, dans Friedeck, là, je suis comme, OK, non, là, c'est parce que ça ne fera plus un moment donné, là, c'est non. Fait que, c'est ça. Fait que là, d'ailleurs, il faut que je check la Rosier, là. Rosier, oui, c'est ça, à chaque fois, je ne suis pas sûre. C'est la Rosier ou la Rosier Opita, là, c'est plus trop. Alors, ouais. Fait que c'est ça. Fait que j'ai tout rempoté ça. Ben, tranquillo, je pense, en fin de semaine, pas. C'est pas celle qui vient de passer l'heure de vrai. Ok, mais j'ai pas filmé parce que là, tu sais, je faisais ça tranquillo, c'est chez nous, tu sais, au gros soleil dehors. J'ai-tu remboté autre chose, je m'en rappelle plus. Je m'en rappelle plus. Mais sincèrement, tu sais, c'est la première année que je rempote pas mes plantes, là. Fait qu'ils sont vraiment dû, tu sais, ils ont comme un vieux terreau, puis tu sais, c'est comme un arc, là. Fait que là, tu sais, j'étais comme pas le choix à un moment donné, là. Faut que je fasse quelque chose. Fait que, mais tu sais, sincèrement, cet hiver, là, même cet automne, j'aurais pas bien le choix de faire des rempotages. Il va falloir que je trouve du temps. Là, je sais que je tombe en vacances bientôt. S'il fait pas beau, je vais me mettre là-dessus. Faut que ça avance. J'ai de la terre, tout ce que j'ai de besoin à disposition. Fait que, tu sais, je vais vraiment essayer de faire de quoi de cool. Je vais revenir, faut juste prendre ma sauce. Ah, ma belle sauce. La sauce à poutine. Aussi, j'ai tellement pas le temps de me faire manger, bien. Ma vie, c'est tout le temps principe. Ok. Au travail, je mange bien parce que souvent, je pars la mijoteuse, puis la mijoteuse me fait des belles poitrines de poulet, puis je pars ma riseuse, puis ça me fait genre un beau riz. Mais quand j'arrive à la maison, je peux pas manger ça. Parce que sinon, je m'empêche de bien manger le lendemain, puis le lendemain, bien, je peux pas utiliser mon air fryer au travail. Fait que quand j'arrive, souvent, je mange des pogo, des croquettes, puis des hot dogs, puis
des hamburgers. Là, ça paraît qu'il est temps que l'hiver arrive et que j'ai le temps de faire à manger. Là, fait que là, pour ce soir, c'est croquettes bon marché avec des frites Cabin Dish poivrées et restant de sauce poutine pour tremper tout ça. C'est la grosse gastronomie, quoi! Hein? Fait que enjoy, tu m'as pas vu toute saccagée en sortant de la douche et en pyjama. C'est rare, hein, quand même. Puis, ben écoute, c'est là-dessus je vais conclure mon vlog parce que je dois faire le montage. Et si tu veux avoir un 10 vidéos à te mettre sous la dent, ben je dois monter maintenant parce qu'on est déjà lundi. Puis, ben, si tu veux que je continue à filmer le restant de la semaine pour te sortir t'es pas peine au petit quelque chose, ben je dois couper maintenant. J'espère que tu auras passé une super semaine et un très bon moment avec moi. Je t'embrasse. Puis écoute, have fun. Puis si jamais t'as envie, viens t'acheter une plante chez nous. Bye!